Cher journal, j'arrive pas à croire à l'énorme gaffe que je viens de faire. Je vais mourir de honte cette fois, c'est sûr. Je voulais inviter Adrien, mon Adrien, au ciné et je l'ai appelé pour lui dire. Je te dis pas les coccinelles que j'avais dans le ventre. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Le problème, c'est que je suis tombée sur son répondeur. Et à partir de là, la cata totale. J'ai rien pu lui dire, j'ai pas arrêté de bafouiller. Voilà, voilà, bonne après-journée. Et je veux dire, plutôt, enfin non, on se voit au collage. Au collège. C'est horrible, il va me prendre pour une vraie débilose maintenant. Et c'est pas de ma faute, moi. Il est tellement merveilleux que je perds tous mes moyens quand je lui parle. C'est vrai quoi, il est super intelligent. Il fait du piano, du chinois, de l'escrime. Et en plus de ça, il est trop beau. Mais génial, vas-y, viens le sentir, le soleil s'est couché dans tes yeux. Adrien est mannequin pour son père, Gabriel Agreste, le plus grand styliste de Paris, et sûrement du monde. Mais il s'en vante jamais parce qu'il est parfait. Enfin non, il a quand même un énorme défaut. Il s'entend plutôt bien avec ses pestes de Chloé. Mais bon, il est ami avec tout le monde, alors ça compte pas. Enfin, presque pas. Bref, comment faire pour qu'il me remarque enfin et qu'il tombe amoureux de moi? Je pourrais lui envoyer un poème super beau. Voyons. Zut, je suis pas douée avec les mots. Mon truc, c'est plutôt la mode et la création. Ah, mais je sais, c'est bientôt son anniversaire. J'ai vérifié sur mon tableau, celui où j'ai recopié tout son emploi du temps. Ben oui, j'aime bien savoir où il est dans la journée. Du coup, je vais lui faire un cadeau génial, comme ça il sera super impressionné. Il verra que je suis une fille incroyable et il tombera fou amoureux de moi. J'ai tellement hâte. D'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite. Il me reste plus beaucoup de temps. À très bientôt, cher journal. Souhaite-moi bonne chance.